CST avec stupeur et effroi que les fans du monde entier avaient accueilli la nouvelle le 8 décembre dernier. Dans une vidéo, la chanteuse canadienne Céline Dion, véritable star avec des dizaines de millions d'albums vendus à l'international, annonçait être atteinte de la maladie de l'homme raide. Une maladie qui, comme son nom l'indique, provoque une raideur musculaire et se répercute notamment sur ses cordes vocales. Cette pathologie a remis en question ses projets de tournée, ainsi que la fin de sa carrière, entamée à l'aube des années 1980, dans son ensemble. Depuis cette annonce sur ses réseaux sociaux, Céline Dion est restée muette à ce sujet. Aujourd'hui, si est-il l'une de ses sœurs, la fratrie comporte 14 enfants, Claudette Dion, qui donne des nouvelles de l'artiste canadienne de 54 ans. Dans une interview accordée au Journal de Montréal, la grande sœur de l'interprète de Pour que tu m'aimes encore lève ainsi le voile sur les conditions dans lesquelles vit actuellement Céline Dion. Ainsi, elle explique que la chanteuse est entourée de spécialistes à Denver, dans l'état du Colorado outre-Atlantique. Je ne voulais pas faire le spectacle du braillage en ligne. J'ai eu beaucoup d'appels, mais j'ai fermé mon téléphone parce que j'avais de la difficulté à en parler, explique-t-elle à propos de sa réticence initiale à évoquer l'état de santé de sa sœur. Elle a toujours travaillé selon elle, cette maladie résulte de toutes les années de travail intense de Céline Dion. Depuis l'âge de 12 ans qu'elle travaille, cet enfant-là. Elle n'a pas vraiment eu d'adolescence. Elle a toujours travaillé. Elle s'est toujours donnée. Si y est-il un choix. Elle ne faisait pas pitié. Mais en même temps, d'avoir donné autant et d'être capable de profiter du reste de ta vie avec tes enfants qui prennent de l'âge. Développe Claudette Dion. Plutôt que de pleurer sur son sort, j'essaie de lui envoyer des ondes positives et de faire en sorte qu'un jour, elle montera sur scène. Depuis qu'elle est touchée par cette maladie, Céline Dion semble s'isoler du reste de sa famille. Ainsi, en novembre dernier, Claudette Dion expliquait déjà à nos confrères de Closer qu'elle n'avait pas vu sa sœur Céline depuis plus de 2 ans. En espérant que l'état de santé de la chanteuse s'améliore.